Salut à tous pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais parler comment battre l'Atalanta sans Mbappé. Donc, j'ai encore la caméra du PC, donc voilà. Alors, comment dire? Mbappé, dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il s'était fait une entorse. Je pensais que c'était une petite, mais c'est une grande, une grosse. Donc, si Paris ne joue pas face à l'Atalanta, je vais faire les attaquants de son poste. Alors, Choupo-Moting, sur les matchs de. Comment dire? Sur les matchs de préparation, il était bon. Mais c'est pas un Mbappé dans la vitesse. Je crois qu'il a jamais fait de match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, Choupo-Moting, on le vire. Draxler, qui pourrait peut-être. Qu'est-ce que je dis? Il peut jouer à la place d'Mbappé. Alors, Draxler, il était pas bon. Depuis 2 ans, il joue plus et tout et tout. Donc, moi, je préfère un Choupo-Moting moyen qu'un Draxler pas bon. Après, il y a Sarabia. Donc logiquement ça va être Sarabia parce qu'il fait des bons matchs. Je crois que c'est son poste. Je sais pas, dites-moi en commentaire. J'essaye d'activer les commentaires. Donc ça je m'en rappelle pas. Et sinon il y avait des gens qui disaient Paredes. Bah il faut des joueurs aussi qui peuvent donner des balles à Neymar. Et Neymar qui peut donner des balles à l'autre. Donc Paredes, même si Neymar et Paredes s'ils s'entendent bien en dehors des terrains, bon, Paredes attaquant droit, droit ou gauche, je sais, droit je crois. Et bah c'est une mauvaise idée. Donc ça pourrait être Sarabia. Et Sarabia, il était bon dans les derniers matchs. Donc, si Mbappé est blessé pendant 3 semaines, il pourra pas jouer. Donc, je vous referai une vidéo. Là, pour l'instant, on sait toujours pas. Il va faire des examens demain. Donc, on saura demain voir si ça évolue parce que sa cheville était quand même assez gonflée. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Donc, et face à Lyon, c'est officiel, Mbappé pourra pas jouer parce que c'est dans moins d'une semaine. Attends, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est dans 4 jours. 4 jours, la finale de la Coupe de France. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si ça montrait ce qu'Mbappé est blessé, père n'a pas fait exprès. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous, Bears.